l'avoir lutté comme au désert le fils de l'homme pour parvenir à résister aux vaines gloires des royaumes. Jusqu'où faut-il être tenté par l'opulence et les idoles pour arriver à ne compter que sur le pain de la parole. Sorti de son mystère pour nous tendre la main, et jusqu'au fond de nos misères, son amour nous rejoint. Jusqu'où faut-il avoir goûté la joie d'un bonheur si intense, comme un moment d'éternité transfiguré par sa présence, pour espérer le retrouver au jour de croix et de souffrance, et le savoir à nos côtés malgré le creux de son absence. De son mystère pour nous tendre la main, et jusqu'au fond de nos misères son amour nous rejoint. Jusqu'où faut-il avoir déçu et leur patience, ceux qui nous ont aimés le plus et nous ont fait toujours confiance, pour demander qu'à nous aussi soit accordée une autre chance, et qu'au pilier de notre vie naissent des fruits en abondance. Sorti de son mystère pour nous tendre la main, et jusqu'au fond de nos misères son amour nous rejoint. Jusqu'où faut-il avoir pleuré en suppliant que nous revienne un fils épris de liberté qui nous a tant causé de peine, pour découvrir de quel amour plus grand que toutes nos ruptures le Père embrasse nos retours, lui qui nous aime sans mesure. Sorti de son mystère pour nous tendre la main, et jusqu'au fond de nos misères son amour nous rejoint. Jusqu'où faut-il avoir eu peur que l'on nous juge et nous condamne sur nos faiblesses et nos erreurs, comme on accuse cette femme, pour espérer de tout son cœur que vienne une main secourable disperser nos accusateurs par quelques signes dans le sable.